des jeux qui leur travaillent l'intellectuel et puis qui les occupent. Là, le chien est en train d'essayer de manger. Ouais, ouais, on va dire ça. Ouais. Il essaie de découvrir des choses. Là, là, Maya. Et reste, regarde. Et celui-là, là. Allez, oh, wow. Allez, encore. Encore, allez. Les chers, chers, c'est de goûter. Chers, c'est comme des souris. Chers, chers, la souris. Chers, la souris. On ne met pas son visage. Elle, c'est Maya. C'est ça. En fait, un chien qui mange, il faut pas, et surtout pas son visage, il faut... Il faut le caresser pendant qu'il mange. Voilà, il faut le laisser. C'est toi qui as fait le cœur, avec Dana, il avait la photo de ton sac de cœur. Ah, c'est ma petite Ruby quand c'était un bébé. Ah oui, avec le cœur. Ouais, t'es moyennement motivée, là. Hein. Allez, les chers. Hein, il est encore là. T'es assez mangée. Elle en a, elle a eu son Kong rempli de pâté pour patienter. Elle a été bien gâtée aujourd'hui. Et puis là, là, ça lui demande un travail quand même. Comme une souris, comme une souris, chercher. Renifler, voir s'il en reste, développer la stratégie de prendre et enlever. Donc là, elle s'allonge. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah oui, je souris. C'est un carnet. C'est un carnet pour les aliments. Exactement. Là, c'est pas. Elle va bouffer la poule. Allez. Bon. Là, il y a des petits manuels. Allez, on va goûter la chasse. On va goûter. Allez, allez. Allez, on part. Ah non, elle est partie. Mais ça lui demande un effort. Et puis celui-là, elle ne le fait pas souvent. Regarde. L'autre, elle a plus la victime. Celui-là, je c'est en bois. C'est comme les jeux de solitaire, ça. Mais Naya, c'est pas la plus courageuse. Ruby, elle est plus forte à 5 heures de jeu. Elle, elle abandonne vite. Et Ruby, c'est la même race. Pas du tout. Ruby, c'est une golden. Golden retriever. Ouais. Et là, il y a des... petits jouets. Vous avez combien de chiens? Là, il y a des petits jouets. Ah, voilà. À 13 ans, il ne fera pas de médiation, ça incroyable. Je mets sur ma chaîne Google. Il n'y a plus qu'un, allez, cherche. Il y en a une, elle s'appelle Magali Renaudin. Oh, la blague, il n'y avait rien dans le dernier. Voilà, je savais qu'il y en avait un, qu'il n'y avait rien. Allez, qui c'est qui lui pose le tapis de fouille par terre? Vas-y, on va lui faire un facile. Là, c'est de la feutrine. Ah, la feutrine est jolie. Là, elle lève même pas. Le but. Regarde là, je lève pas, elle est surtout pas trop défendue. Elle est fatiguée là. Là, le but, c'est qu'elle a montré. Là, ça fait beaucoup d'émotions. Là, on est là depuis 13h45. Je la traverse, machin. Ça fait plein de choses là pour elle aussi. Donc, il y en a une, c'est Magalia Renaudin et l'autre, c'est Mathis Frère. Attention de ne pas lui marcher dessus parce qu'elle que serait pas trop contente. Elle va pas nous mordre. Elle pourrait. Ah ouais, tu lui fais mal. C'est comme si moi là, j'arrive et je te marche sur le pied en faisant exprès ou pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me pousser, tu vas avoir des réflexes de défense parce qu'on te fait mal. Au moins, tu auras une production. Et malheureusement, les chiens, ils n'en ont pas 50 des réflexes de défense. Donc, oui, elle pourrait te mordre. N'oubliez pas que le chien reste un animal. Il y en a encore là. Il y en a encore dans le violet et rouge là. Moi je me suis fait voir il y a deux semaines. Il y en a encore là. Ils ont encore. On les voit de loin. Vous les voyez de près aussi. Comme ça. J'ai pris un premier toboggan, je suis allée prendre le premier toboggan. En fait, il y en a un qui est coincé dans un premier toboggan. Mon pied l'a pris. Là, au moment, ma golden, elle aurait attrapé le truc, elle l'aurait balancé en l'air pour que tout tombe et elle a rien dit. Voilà. Mais elle est jeune. Mais il y en a d'autres.
Et puis l'autre, elle est plus jeune, elle est un peu plus vieille. Et puis l'autre, elle est vieille, elle a mal partout, elle doit de la trop. Ah non, elle, elle a le papier, elle a que 2 ans et demi. Non, mais l'autre, ah, mon papy, oui. C'est pour ça qu'il ira jamais en médiation, parce qu'en plus, il est sourd maintenant. Donc, c'est mal, le troisième. Ouais. Ça se passerait pas très très bien. Et la cohabitation, lorsque vous arrivez à la Maya, ça s'est bien passé? Ah bah, la Golden Bush, je serais très ravie de la voir. Elle va lui souffler partout. Ça lui aura manqué. Et puis, elle va rentrer dans la maison pour aller souffler dans le monde. Il y a des petits mécanismes. Oh, il y en a. Il y en a. Ça marche pas trop très bien. Et là, il y a des petits trucs. Ah, c'est lui qui me l'a dit. Là. Moi, ça, c'est moi qui l'ai mis là. Du coup, je l'ai déplacé là. Et ouais, et voilà. Moi, je l'ai mis là. Là, il y a des petits trous. Et là, attendez, là derrière cette porte, il y a, il y a 3 lapins. Il y en a un, c'est chamallow. Un autre. Je veux dire, un, c'est macaron. C'est comment mon délapin? Vraiment, il fallait parce que entre mon plus vieux et la plus jeune, ça se passait pas bien du tout. Il l'a mordu. Donc, c'est pour ça qu'elle avait très peur aussi des autres chiens. Et il y en a plus. Elle a vraiment canalisé le vieux et canalisé la plus jeune. On peut l'enlever maintenant, il y en a plus. Elle a l'autre. Il s'appelle comment les lapins déjà? Calisson et Macaron. Et l'autre? Et l'autre, c'est Guénois. Guénois, Calisson et Chamallow. Faites chamallow, je veux dire. Et peur, bah après, vous pourrez aller les voir, mais on va pas les ressortir. Parce que... Et. Il y en a plus, elle se demande. Voilà, voilà. Elle l'a dit, la dame. Oh merde. Bon, allez, on va mettre le dernier parce qu'on l'a préparé. Ouais, je vais mettre. Attention, la queue. Regarde. Ah. Agathe, elle voulait le donner. Tu donnes à Agathe pour qu'elle le pose. D'ailleurs, il y en a encore un dedans, là. Il y en a encore un, j'ai vu. Oui, il y en a. Mais ils sont c'est... tous coincés, en ouais. fait. Oui, mais dedans. Ils sont dans les trous. Vas-y. Vous qui l'avez fait, ça? Non, j'en ai un gros à faire et j'ai pas trop le courage. D'habitude, tu te disais sur du c'est plastique. Super simple. Mais j'en ai un gros à faire. J'ai des décors, comme les épaules. Trop bas, on lève, on se lève. Oui. Allez, cherche. Mais là, elle a plus envie, là. Je crois qu'elle est un peu fatiguée. Oui, alors là, c'est un peu plus complexe. Là, elle est censée bouger avec sa patte, voilà, la roulette. Et celui-là, elle le pousse avec son dos à droite et à gauche vidéo. Pour aller chercher. Mais là, voilà un signe qu'il faut interpréter, c'est que là, elle est fatiguée. Elle en a assez, elle en a marre. Et que ça a fait beaucoup. Je vous démontrerai des petits machins qui sont ici, là. Pet School, livre internet, enfant. Et tout savoir sur sur qui? Luna et Max. Tu veux une carotte? Non. Là-dedans, il y a des trucs où les petits lapins ils sont réfugiés. Là, il y a une petite cocotte. Il y a une petite cocotte, des lapins et leur maison. C'est un fou. Je crois qu'elle a plus faim. Là, on va la voir. Elle se couche. Est-ce que tu roules? Tu montres comment tu roules? Elle roule. Elle fait la roue. Et ça, c'est son truc préféré, Anaya. Elle adore votre roue. Si vous voulez gratter une branche, elle va être très heureuse. Ouais, vous allez vous faire bien les caresses, celle-là. Oh là là. Et t'as bien travaillé. Oui, elle a bien travaillé, celle-là. Ouais, elle a des petites boules parce qu'elle adore se rouler partout. Non, mais elle a bien travaillé, cette grosse. Non, non, non.
C'est la grosse miche tourneuse. C'est la grosse. C'est la grosse. T'es belle. Ok. Bah là, je vais commencer, surtout parce que au début, je savais pas trop. J'ai jamais eu cette race de chien, donc je savais pas trop, mais elle a mué. Elle ressemble pas à grand chose. Recule un petit peu. Elle est brossée toutes les semaines. Ah ouais? Là, moi, depuis que je l'ai, je la lave à peu près tous les deux fois, moi, parce qu'elle adore aller courir dans les lacs en forêt et des fois, elle revient pleine de base. Ah ouais. Et puis, elle se roule pas dans la merde de chien. Non, pas elle. La Golden, oui, mais pas de chien. Non, mais dans la merde de vache. Il y a des chiens qui aiment bien rouler dans la merde de vache. Ah bah oui. Parce que c'est une odeur. Mais oui, il y a besoin parce qu'en plus, ils ont un sous-poil. Là, ce qu'on voit, c'est la partie de l'iceberg, mais en dessous, il y en a encore une sous-couche. Ouais. Et des fois, ça fait du bien. Ah, mais ça fait partie des chiens pour le bien-être de ces animaux. Ouais, 42 euros, je crois, sur le souvenir. Vous allez où? 42 euros à domicile pour un bichon. D'accord. 42. Ouais. Et moyenne de la vie, il recouvre tout, tout. Ouh là là. Et après, il n'y a pas forcément de soucis. C'est beau ça. Bon, arrête-moi. Une fois que brossé, ça glisse en fait. Au fait, je ne m'appelle pas Mathis. J'ai un autre prénom. Un million d'abonnés. Ouais, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, je m'appelle pas Mathis et c'est un autre prénom. Voilà, donc essayez de deviner dans les commentaires. Et je vais vous dire mon vrai prénom. À la millième ou un million d'abonnés. Voilà. Je dis toujours que c'est beaucoup, un million. Je pense que peut-être que c'est beaucoup, je sais pas. À vous dire. Pour ma chaîne YouTube. Ils sont tout à fait faits pour être protégés. Vous voyez, l'épaisseur. Une dame qui m'a demandé ce que je faisais, bah, je lui ai dit que c'était pour ma chaîne YouTube. Ça permet de protéger de tout ce qui est en jeu. Je vous aime, mes petits abonnés. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Sur mon autre chaîne. Mon autre chaîne, c'est Mayali Renaudin. Pensez-vous. Pensez à vous abonner et voilà. Bon, c'est bientôt fini là. C'est une petite chose avec la belle chienne Naya. Oui, merci d'être venu. Hein. Ben, merci à vous. Merci, au revoir. Mais il y a quand même. Eux, d'instinct, ils vont se mettre dans des endroits plus frais. Mmh, une dame avec son bébé qui est parti, avec sa fille, là. Pour voilà. Parce que oui, c'est pas des chiens, c'est normalement pour nous. Une attitude. Allez, au revoir. Merci. Je crois bien que la vidéo est bien finie. Et bientôt finie, parce que le cours va bientôt se terminer. Et si vous voulez aller la voir, cette chienne, attendez. Allez, merci à vous. C'est le chien avec la personne. Mais voilà, c'est des chiens qui sont extraordinaires et qui ont vraiment cet instinct aussi de. Voilà, allez à ces adresses, si vous voyez bien. Allez ici et vous verrez bien d'autres chiens. Et leur monitrice. Comment s'appelle déjà Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Bon, allez, alors allez à cette adresse, l'Arc des Champs, 101 route de Huim, 37500 Chinon, 06-21-67-50-26. Voilà, vous avez toutes les informations. Et voilà. Et dessus, cette petite carte. Là. Et donc, à la prochaine, ne pensez-vous à vous abonner et abonnez-vous à mon autre chaîne, Magali Renaudin. Et voilà, allez bisous, salut mes abonnés et pensez à vous abonner.